tout le monde! Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer un peu plein de choses. Alors déjà, excusez-moi pour mon absence d'une semaine en ce moment. Tout simplement, c'est pas parce que j'étais overbookée ou autre. C'est tout simplement parce que je n'avais pas d'idée de vidéo. Tout simplement, j'ai eu un gros vide dans ma tête. Je ne savais absolument pas quoi vous faire comme vidéo. Et les journées dans ma peau, etc. J'ai décidé de vous les faire, mais un peu plus tard. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc voilà, et pour vous filmer en fait des choses assez longues comme mes séances ou des trucs comme ça, c'est très compliqué étant donné que j'ai en ce moment que mon réflexe, et mon réflexe est très très lourd. Quand on le prend en main, c'est vraiment très très lourd, et mon copain n'est pas toujours avec moi pendant mes moments de séance avec 4-0. Pardon. Et donc du coup il ne peut pas toujours filmer, et quand il peut filmer, il ne peut pas filmer trop longtemps parce que l'appareil est vraiment très très lourd. Donc je savais pas du tout quoi vous faire, et au niveau des tags je vous ai un peu tout fait, au niveau des tutos aussi, enfin j'ai quelques vidéos en tête mais il fallait des trucs assez précis, tout ça, enfin bref, voilà. Grosse catastrophe, j'ai passé une semaine à ne pas savoir du tout quoi vous faire comme vidéo, et donc j'étais vraiment très très embêtée parce que il y a eu un gros vide quoi, c'était... Des fois ça arrive, hein, sur YouTube on a des gros vides comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon voilà, c'était un gros vide et un gros moment de blanc sur ma chaîne. Donc excusez-moi aussi pour le bruit de fond que vous entendez, un espèce de... comme ça. C'est tout simplement parce qu'en fait il y a mon ventilateur juste à côté de moi, étant donné qu'il fait très 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 chaud. Il y a mon ventilateur à côté de moi et du coup je l'ai laissé tourner parce que si je l'arrête, je fonds, voilà. Donc voilà, excusez-moi si vous avez un bruit de fond pas très agréable derrière. Ensuite, je voulais vous dire deux petites choses très importantes. Alors la première chose, qui est plutôt joyeuse, c'est que samedi qui va arriver, là, donc samedi 4, je vais m'acheter une GoPro. Alors certaines personnes vont me dire, oui mais t'avais déjà une Cambox Isis, etc. Oui, j'avais une Cambox Isis, mais je n'aimais pas du tout, mais alors du tout, la qualité de la vidéo. Je trouvais vraiment la qualité dégueulasse, la couleur était dégueulasse, le son était dégueulasse, bref, tout était dégueulasse. Et donc j'ai décidé de vendre la Cambox Isis pour me racheter une GoPro. Donc voilà, je vais avoir ma GoPro samedi. Et avec cette petite caméra, on peut vraiment tout faire et la mettre absolument partout, là où on veut. Sur notre tête, sur le thorax, accrochée sur le mur, accrochée partout où on veut. Et là, ça va vraiment m'aider énormément pour mes vidéos. Ça va vraiment être un gros bond en avant pour mes vidéos, tout simplement parce que filmer avec mon réflexe quand je suis toute seule, c'est vraiment mission impossible, étant donné qu'un réflexe, c'est très très lourd. Et que quand je suis toute seule, j'ai 4-0 à tenir, j'ai mon réflexe à tenir en même temps, et c'est extrêmement lourd et j'ai peur de le faire tomber et de le casser. Faut savoir que c'est un appareil qui m'a coûté 800 €. S'il tombe, je serai déjà... Voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, je voulais pas prendre ce risque de me filmer toute seule quand j'étais avec 4-0 pour ne pas casser mon appareil et ne pas avoir de problème, etc. etc. Donc voilà, donc samedi je vais avoir ma GoPro et là ça va être vraiment un gros bond en avant. Je vais vraiment pouvoir vous filmer tout ce que je veux, même quand je serai toute seule avec 4-0, je vais pouvoir vous filmer plein de vidéos parce que la GoPro ça pèse rien du tout, c'est tout petit comme ça. On peut la tenir avec une perche, on peut la tenir sur notre tête, on peut la tenir sur notre thorax comme je l'ai dit. Donc voilà, ça va vraiment être top. Je vais pouvoir vous faire des journées dans ma peau autant que vous voulez, tous les jours si vous voulez. Non, je rigole, pas tous les jours quand même, je veux pas faire une chaîne de vlog non plus. Mais oui, je vais pouvoir vous faire plusieurs journées dans ma peau et vous filmer quand je suis toute seule avec 4-0. Et pour mes séances, ça va être beaucoup plus facile pour mon copain de tenir de temps en temps la GoPro et le réflexe que tout le temps le réflexe. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était à propos de vos lettres. Alors, faut savoir que j'ai vraiment reçu toutes vos lettres, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Là, j'ai vraiment répondu à tout le monde. Voilà, j'ai vraiment répondu à tout le monde. Là, c'est que la moitié, hein, parce que j'ai déjà envoyé la première moitié. Voilà, il me reste celle-là à envoyer. J'ai vraiment répondu à tout le monde. Et par contre, vraiment désolée. Désolée, mais vraiment désolée pour le retard que j'ai mis à vous répondre, pour le temps que j'ai mis à vous répondre.
deux ou trois mois, je crois que c'est énorme et je suis vraiment désolée. Là, pendant deux ou trois mois, là, je me suis laissée complètement déborder par les lettres. Les lettres, je les empilais, et puis à la fin, je me suis retrouvée avec une pile comme ça de lettres. Je me suis dit, là, ça va pas du tout. Colline, reprends-toi et refais les lettres. Et donc, voilà, donc, au lieu de perdre mon temps à vous faire une vidéo où je présentais vraiment toutes les lettres, je me suis dit, je vais répondre direct et je vais direct envoyer, parce que si je perds mon temps à faire la vidéo, ça va encore prendre du retard et ça va être une catastrophe. Donc voilà, en ce qui concerne vos lettres, je suis vraiment désolée, mais je ne pense pas refaire de vidéo vos lettres, tout simplement parce que les vidéos vos lettres, ça apparaît pas comme ça, mais c'est une vidéo extrêmement longue à filmer et à monter. C'est surtout le montage en fait qui prend énormément de temps. Ça paraît pas, hein, comme ça franchement, ça paraît pas, mais c'est très très long à filmer et à monter. Parce que quand j'ouvre les enveloppes, quand je les monte, quand je les déplie, quand je les sors, quand je les re-rentre, quand je les machine, il y a beaucoup de coupures et ces coupures-là sont vraiment très très longues à faire. Et c'est vraiment une perte de temps, vraiment. Je perds plus de temps à vous faire cette vidéo-là, donc la lettre, la vidéo vos lettres, plutôt que de vous répondre, et je trouve ça pas chouette parce que vous méritez une réponse assez rapide quand même. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter ces vidéos-là pour vous répondre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Ensuite, à propos de vos lettres, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de leur répondre. Alors je veux bien répondre même s'il n'y a pas de timbre. S'il y a des timbres, il y a plus de chances que je vous réponde plus rapidement, mais s'il n'y a pas de timbre, je vous réponds quand même. Mais il y a plusieurs personnes qui ont soit oublié de me mettre leur nom et leur prénom, soit qui ont complètement oublié de leur donner leur adresse, soit qui ont complètement oublié de leur donner le numéro de leur rue, qui ont complètement oublié de donner le nom de leur ville ou leur code postal, ou voilà, je ne peux pas vous envoyer de réponse tant que je n'ai pas votre nom, votre prénom, le numéro de votre rue, le nom de votre rue, le code postal et le nom de votre ville. Si je n'ai pas tout ça, je ne peux pas vous répondre. J'ai déjà essayé de vous répondre en n'ayant pas votre nom ou en n'ayant pas votre numéro de rue, en n'ayant pas votre ville, mais le facteur me renvoie automatiquement les lettres, tout simplement parce que s'il n'y a pas de nom, s'il n'y a pas de numéro de rue, bah, le facteur ne va pas se casser la tête à faire le tour de la ville pour une lettre, donc il me renvoie la lettre à chaque fois. Donc voilà, sans ces éléments-là, je ne peux vraiment pas vous répondre. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit aujourd'hui. Les vidéos, vraiment sérieusement, vont reprendre vraiment dans le week-end, là, du samedi 4 ou voilà. Ça va reprendre à partir du samedi ou dimanche, je ne sais pas trop. Mais ça va reprendre ce week-end, pas d'inquiétude. Là, il y a eu vraiment un temps de pause parce que j'ai eu vraiment un gros blanc dans ma tête. Vraiment un gros vide, je ne savais absolument pas du tout quoi vous faire. Et il n'y avait strictement rien qui me motivait. Voilà, pas d'inquiétude. Là, dimanche 5 ou lundi 6, enfin voilà, dans ces environs-là, je vais reprendre vraiment les vidéos et vous faire plusieurs petites vidéos plutôt sympas. Donc voilà, donc je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très 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 bientôt. Gros bisous tout le monde et à la prochaine.